Les informations que vous avez rapportées du Titan confirment que le commandement central du Pacifique est HS, balayé par les missiles chinois. Chang contrôle toute la région maintenant. Étant donné la gravité de la situation, capitaine, il vaut mieux redoubler de prudence. L'intégrer à l'escouade, ça va pas plaire à Heinrich. Heinrich n'a pas la vue d'ensemble. Ce sont des circonstances exceptionnelles. Elle ira avec vous. Compris. Heinrich est un type bien, je garderai un œil sur lui. J'apprécie, Pak. Il vous reste du chemin à faire, mais vous avez l'étoffe d'un chef. Merci, capitaine. On devrait savoir autre chose à propos de l'attaque de l'aérodrome? Oui. Allez chercher Raker. Pak, Raker, il va falloir m'aider sur ce coup. On ne peut pas gaspiller nos derniers missiles. Attaquez l'aérodrome. Surveillez le sol. Prévenez-nous quand leurs avions seront sur le tarmac. On va allumer ces enfoirés et continuer vers l'ouest par le détroit. Bien reçu, capitaine. Trop facile. Pak. Raker. Vous risquez d'y passer. Comme beaucoup de vos amis. Mais on y est. C'est notre seule chance. L'escouade qui rejoindra l'aérodrome et lancera sa fusée aura 30 secondes pour filer avant l'arrivée de nos missiles. Bien reçu. Ne devenez pas des statistiques de tir amis. Anna. En route, Raker. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo. Et on reprend le walkthrough de Battlefield 4, la quatrième mission de ce jeu, en compagnie de nos compères et de Anna, qui vient nous accompagner sur cette mission. Oh, tu crois aller où comme ça? Je suis volontaire. T'es volontaire? Qui a approuvé? Le capitaine Garrison, vois ça avec lui. Vous étiez tous au courant? Vous parlez mandarin, sergent. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, jeune fille? Je suis là pour aider. Vous allez me couvrir, hein? Vous voulez que je vous dise? C'est une putain d'erreur. Elle va nous faire courir des risques. Sexiste. Moi, je suis content qu'ils mettent une femme enfin dans un jeu. Ça change dès que vous utilisez le Battlefield traditionnel. Le capitaine Garrison va vous parler. Guerrier du Valkyrie, je sais qu'on est crevé. On a tous souffert. Perdu des amis, des proches. Alors faisons en sorte que ce ne soit pas en vain. La tempête a cloué au sol les avions ennemis. Mais ça ne va pas durer. Il ne reste peut-être que nous. Mais on ne va pas se laisser faire. Cap à l'ouest, nous allons attaquer l'aérodrome pendant la tempête et ouvrir un passage par le détroit de Singapour. Frappez vite, avec détermination. Cette tempête va nous ramener chez nous. Bon, apparemment, nous avons perdu tous nos escorteurs, il doit nous en rester très peu. Tout de suite, je vais prendre mon arme préférée. Je profite, c'est une arme que vous débloquerez dans ce jeu. Ici en ville, on approche de votre position. On est coincé par des tirs ennemis. Prêt à débarquer. Faites attention à ne pas tirer sur vos alliés, Tombstone. Voilà les renforts. Ah. Donc voilà, ce qu'a débarqué Noah Abrams.
Mais avant de continuer le niveau, vous aurez récupéré la première fois de ce niveau. Et voilà. Il y en a trois, tout comme le nombre d'armes dans ce niveau. Enfin, armes. Il y a plus de trois. En réalité, il y a toujours plus de trois armes, plus d'armes qui indiquent. C'est des armes cachées en fait. Que vous pouvez récupérer aussi les armes ennemies qui sera le 3 à votre inventaire d'armes utilisables. Alors vous pouvez donner l'ordre après vous attaquer, hein. On appuie en sera quand vous êtes engagé. Et après, engagerai les troupes que vous indiquez. Mais honnêtement, vous voyez que c'est... Cible à pied. Voilà. Tête de front est dirigée. Mais d'une manière générale, les tirs... Que c'est plus seul, ça marche très bien aussi. Attendez. Même en moyen, je dois le dire, ça tourne bien. Ça tourne bien, ça donne bien. Bon. Les gars, c'est trop marrant. J'ai jamais testé ça encore en multi, faudrait qu'il essaye. Il y a beaucoup d'ennemis qui vont venir sur le pont. On vous en visuel. Marche de la ville est sous contrôle ennemi. Marche là. Il nous faut une signification sur la chaise. Les ennemis qui vont arriver sur le pont, donc préparez-vous. Ah, j'ai oublié qu'ils sont des murs. Répète en ville, il y a un blindé ennemi dans le souterrain et on est claqué. J'étais tellement omnibulé par le pont, j'ai oublié qu'il y en a qui sautaient mieux. C'est le niveau que je déteste peut-être le plus pour récupérer toutes les armes, parce qu'il y en a une qui est très dur à avoir. C'est bon sur la cible. Runner, c'est le char, et parfois quand on active son micro, on entend les bruits du char qui se répètent. Ne vous inquiétez pas. On attend de cible.
Voilà. Parfait, merci. Vous voyez, un bon petit bourrinage de grenade qui est tourné sur la carrière ici. Et ça passe aussi. Bon. Prêt pour les cibles. Le plus chiant là arrive. Enfin, excepté si le char fait son boulot. Ok, prêt à tirer. Le sniper Scar. Enfin, sniper parce qu'il tire coup par coup en fait. Scarash, je sais pas quoi. Sans envie. Pouf. Vous avez compris, ne jamais laisser les coutilles ouvertes. Hein. Il faut mourir à cause de ça. Ça va? C'est pas parce qu'on s'est tiré qu'on s'est battu. Comme tu veux, Eric. Eric, qu'est-ce que tu dis de ce truc? J'adore conduire, mais ce char fait un bruit d'enfer. Allié droit devant. Voilà, runner. Ici, runner 1. C'est bon de vous voir, Comstock. Entrons dans la ville. Allons-y. Runner 2, surveillez votre secteur. Surveillez votre secteur. Il y a beaucoup de... BMP. BMP. Putain de merde. Autre roquette. Attention. On subit des tirs. Ennemis sur la zone. Courez-nous. Runner 2, reculez. Votre thermique vous sera très utile. Renard, répondez. C'est pas vrai. Agir ou mourir, Thompson. Oh merde. Plus bien approche dans plusieurs secteurs. Thompson, on a besoin d'aide. Passez sur le côté, Hacker. Lance-roquette toujours en place. Et puis j'ai loupé. Bon, voilà. Là vous vous dites c'est bon, facile. C'est bon, en avant les gars. Oh merde, c'est un ennemi vers nous. À droite, à droite. Un char, droit devant. Un char russe, russe, chinois. Y'a un parking. Alors. L'entrée du parking est notre seule option. Ennemi sur le gaz. Attention, Ricker. Ça va, un gros tir. C'est un volard. Des bombes commandées à distance. Mais on peut désactiver. Faut juste trouver la salle de contrôle. Fouillez la zone. Soyez prudents. Regardez, près du mur, un véhicule abandonné.
avez trouvé un cœur? Ça doit être dans une salle de contrôle ou un truc du genre. Ouais, ensuite on pourra se tirer. Bon, alors on va récupérer... De quoi faire un peu de dégâts. Bon, j'ai récupéré déjà un MG M32, donc... Et un javelot. Voilà. Ça, j'ai une arme anti-char et anti-infanterie lourde. Et mince, je suis tombé. Toujours pas l'aérodrome. On est en route. De l'autre côté de ce centre commercial, Voilà le parc. Ouais. Il y en a plus un dessus, vous enlevez, il est... Allez, faut qu'on bouge. Défense du port. Défense entre guillemets, ce qui bloque là, vous voyez ce qui bloque le parking, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, là il faut à tout prix monter là-haut hein, pour récupérer une autre arme. Vous bourrinez un peu. Et c'est là le plus. Parce que là vous devez longer le mur. Bon, si jamais vous glissez, essayez de sauter pour vous rattraper. Parce que je suis tombé je sais pas non combien de fois pour y arriver. La première fois. Et vous récupérez comme ça la M240B. Je sais même pas la référence, c'est ça. En gros une mitrailleuse lourde. Montrer M249, vous montez M240B. Et voilà, comme ça maintenant on peut continuer. C'était vraiment le plus dur à trouver cette arme-là. Putain, il est où ce parc? Je réfléchis au son. C'est bon, voilà, on a récupéré tout ce qu'il y a vraiment à récupérer pour l'instant. Ça s'annonce mal. On est presque tout seul. 3 marines et 1 civile. Super. On a toujours le char. Ouais, c'est ce que j'ai dit. T'en fiche, on a un chat. Un des ennemis sur la colline. En voilà un autre, droit devant. Putain, je loupe tout, c'est... Hein? Bon. Ah. Un autre char de moins, il va y avoir un BMP qui va sortir de devant. Tour sur la gauche. Voilà l'aérodrome. Ouais, on dirait bien. On va attendre un peu que le char se répare. Parce que ça va être dur la suite là. Je vais pas le nier, ça va être très dur. Maintenant nous allons neutraliser les plus faciles, on va dire ce qui est. Parce que le plus dur arrive. Voilà, le char est là-bas. Et maintenant, le déni sur la place.
puis il loupe de rien en plus, c'est ça qui est frustrant. Le dernier j'ai touché, je sais pas comment, il doit avoir un coup de chance. Et maintenant que vous neutralisez tout ça, à mort infanterie. Bon, malheureusement nous avons abandonné ce char. Mais bon, voilà. Plutôt content, je m'en suis plutôt pas trop mal sorti. C'est ça, on doit continuer. Ennemi dans les escaliers. Les escaliers, on va traverser ce grand restaurant. Voilà. J'ai oublié les trois là, je crois que c'était pour moi. On aurait une meilleure vue de là-haut. Et voici la deuxième plaque du niveau. Merde, on se gèle ici. Le pont est là. On n'est plus que quatre. Il faut y aller. C'est complètement à découvert, autant dire un vrai merdier. Il nous faut un meilleur plan. Les nuages se dissipent. La tempête faiblit. Il faut se dépêcher. Ça plaît pas du tout. Il faut être dingue. Quatre contre une armée. On a discuté de cette mission en détail avec Garrison, ok? Il était parfaitement au courant des risques. T'en as discuté et tu m'as rien demandé. C'est quoi le problème? C'est parce que je suis une femme, c'est ça? J'ai pas de problème avec les femmes, sauf quand c'est des menteuses. Arrêtez ça! On a une mission à mener! Pensez aux gens à bord du Valkyrie! Les gens qu'on a sauvés! Maintenant, ils comptent sur nous! Merde! Et cette musique derrière? Toujours au bon moment? J'ai besoin d'un petit coup de main, Lucas. Je lui fais pas confiance. On y retourne! Et vite! Je ne sais pas comment on a fait le plein du sniper. Bon. Je vais couper un peu pour qu'on se rééquipe pour rester du niveau. Bon, on va prendre une AK-12, voilà. On va prendre une arme chinoise. Mais on conserve ce sniper. Tardez à arriver. La tempête ne durera pas. Ouais, bah on dirait pas. Je ferai aussi une petite... On passe derrière les voitures. Laissez-vous. Parce que la vidéo commence à se faire un peu longue et vu que vous ne pouvez pas bientôt finir. N'importe quoi, voilà. Peut-être, mais il nous est utile. Attention. Foncez dans le mur. On sort par un porteur. C'est bizarre, ils mettent souvent des bus comme ça dans les jeux. Pour continuer. Waouh. Oh, un bateau. Je sais pas pourquoi. Pont, bateau, pont, bateau. Pont, pont en béton, bateau. Je le sens pas. Merde, il est bloqué. Ok, ça va aller. Pourquoi bouger ça? Je sais. Putain, bon, faut pousser. Okay, il a bougé, son bras est libre. Contact. Cible allumée. Cible allumée. C'est bon. Debout. Ok, à la voiture. Pack, mesure de tête. Ah là, vérifie. Vérifie le frein à main. À 3, 1, 2, 3.
Faut pas rester sur le pont. C'est trop dangereux. On va pas te laisser en arrière. On n'abandonnera personne. Bougez. Les gars. Les gars. Donnez-moi la main. Vous devriez être dégagés. Pourquoi ça vient pas, bordel? C'est ou quoi? C'est les sangs, bordel. Les gars. C'est quoi ça? C'est un des dangereux. Tirez. Tirez. On dégage. Sortez-le. Et c'est ainsi que je suis ni on est mort. Non, je rigole. Vous m'avez cru, hein. Bon. On va faire la petite pause ici, que ça vous évitera d'avoir des vidéos trop longues, hein. Donc, en tout cas, je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie de cette